Bonjour, aujourd'hui je vais présenter sur Guy la liberté. Quand Guy la liberté a eu 40 ans, il a quitté la maison familiale et il fait partie d'un groupe d'artistes, des artistes de rue, comme les acrobates et les personnes qui crachent la foule. Et en 1984, le gouvernement du Canada lui a donné 1 million de dollars pour créer un spectacle pour l'anniversaire de 450 années de la découverte du Canada. Cet événement a causé la création de la Cirque du Soleil. La Cirque du Soleil est comme un cirque, mais il n'y a pas des animaux comme les éléphants. Et il y a des costumes bizarres, les effets spéciaux et toute la musique de la Cirque du Soleil est originale. Le nom est Cirque du Soleil parce que Guy la Liberté a pensé que le soleil est une image de jeunesse et énergie. Le premier spectacle aux États-Unis a passé en 1987 en Los Angeles. Maintenant, la Cirque du Soleil est un phénomène mondial et il y a 21 spectacles différents à le moment et les spectacles sont en Europe, Asie et États-Unis. Maintenant, Guy la Liberté est un milliardaire. Aussi, il a juste 10% de la Cirque du Soleil maintenant. Deux compagnies, une compagnie américaine et une autre compagnie chinoise, ont acheté l'autre 90%. Et en 2009, il a voyagé en vacances à l'espace. Ils sont mes sources. C'est la fin.